Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'économie collaborative recouvre à la fois des plateformes d'échange de biens et de services entre particuliers sans recherche de profit et des plateformes d'offres commerciales. La France est en pointe dans ce domaine avec 276 plateformes, dont 70% françaises, actives sur le marché français. C'est un secteur en plein essor, incarné par une génération d'entrepreneurs plein d'audace, qui tend à faire évoluer notre modèle socio-économique qui peut concurrencer, voire même parfois bousculer, les activités traditionnelles. C'est un secteur que nous devons encourager, à la fois pour le développement économique, mais également pour la préservation de notre environnement. Tous ici, nous voulons faciliter le développement des sociétés de covoiturage. La société française Blablacar emploie plus de 350 personnes et le nombre d'utilisateurs de la plateforme est passé de 3 millions en 2013 à 20 millions l'année dernière. Ces chiffres induisent cependant une courbe inverse pour la fréquentation de certains trains, puisque la start-up a fait perdre presque 1 million d'utilisateurs à la SNCF, ce qui représente un manque à gagner de presque 80 millions d'euros. Je l'ai dit lors de l'examen de la loi Macron, nous ne sommes pas opposés au développement du covoiturage, bien au contraire, à partir du moment où le consommateur y trouve son compte. Pas opposés non plus au développement du transport par autocar sur notre territoire, à partir du moment où cela facilite les déplacements de nos concitoyens à des prix défiant, du moins pour le moment, toute concurrence. Mais nous craignons aussi que ce développement mette en difficulté les lignes de transport express régional, les TER, pour lesquelles les déficits sont financés par les régions. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous à la fois encourager l'économie collaborative tout en soutenant les lignes ferroviaires à l'équilibre déjà très fragile et pourtant indispensable au maillage ferroviaire de notre territoire ? Merci, Monsieur Lurton. Madame la Ministre, pour la réponse à la dernière question Merci. Cet après-midi. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, l'économie collaborative, telle que vous l'évoquez, permet de passer de la possession, en fait, à l'usage et au service, ce qui diminue le besoin matériel en ressources à l'image des mutualisations que l'on constate avec Autolib, organisé par les collectivités territoriales, par exemple, ou Blablacar, service d'une plateforme collaborative sur laquelle vous m'interrogez aujourd'hui. Vous parlez du covoiturage, c'est-à-dire le partage des frais, en fait, hein, pour un trajet vers une destination convenue à l'avance. En fait, ça a toujours existé. Le covoiturage, c'est souvent économe, ça peut être, c'est écologique, et tout simplement, c'est pratique pour nos concitoyens. Nécessairement, ce covoiturage impacte l'ensemble des services de mobilité, et plus particulièrement les moyennes et longues distances. Vous l'avez évoqué, et je veux rappeler à cet égard que certains services mis en place pour des courtes distances par d'autres plateformes étaient illégaux et faisaient une concurrence illégale, par exemple au taxi ou au VTC. Concernant ce que vous évoquez, la possible concurrence que vous évoquez entre la SNCF et Blablacar, pour ne citer que, je voudrais vous rappeler que la SNCF a pris récemment pour 28 millions d'euros 75% du capital de Wicar, et va ainsi gonfler son offre de mobilité routière. La SNCF parie donc, elle aussi, sur le covoiturage de proximité avec Wicar, ce qui atteste en partie que l'économie collaborative n'est pas obligatoirement une concurrence directe avec les autres mobilités. L'économie collaborative du partage ouvre de nouvelles opportunités pour ceux qui souhaitent voyager ainsi, et parmi eux, un grand nombre, je crois, n'aurait pas pris le train, si on regarde un peu ceux qui l'utilisent autour de nous. Et globalement, l'essor de solutions de type Blablacar ou Wicar se fait souvent au bénéfice de l'usager, qui voit l'offre se diversifier et de la croissance de notre économie également. Mais il faut bien entendu rester très attentif à ce que le droit soit respecté, à ce que la concurrence soit loyale. Mais je crois que l'exemple précis sur lequel vous m'interrogez est plus une opportunité qu'une menace. Merci.